Bonjour à tous les amis, c'est l'Happy War. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur War Thunder cette fois-ci. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'ait pas fait vidéo sur War Thunder et donc j'avais envie de vous faire partager un petit peu ce jeu encore une fois. Alors, en premier temps, on va faire un petit tour du propriétaire puisque comme vous le savez, War Thunder c'est un jeu où il faut grind des lignes, grind des avions et des chars. Du coup ça prend du temps avant d'avoir de nouveaux véhicules. Donc c'est aussi en partie pour cette raison que vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos War Thunder ces derniers jours, enfin ces derniers temps plutôt. Et donc du coup on va voir tout de suite. Alors ici comme vous pouvez voir, ce sont les Américains. Donc j'ai commencé à grinder les branches américaines en bonne et due forme. Donc là je suis actuellement à l'entrée du rang 2. Pour les Américains j'ai décidé de pas trop m'avancer dessus au niveau des... Enfin, comment dire, j'ai décidé de ne pas rechercher tous les avions, par exemple celui-ci. Donc là, par exemple, le P-38G, je vais pas le rechercher tout de suite, en tout cas. Genre, je passe des avions pour aller le plus vite possible vers les gros avions qui sont bien plus intéressants. Et notamment, je vise le B-18 ou B-17. Ouais, c'est ça, c'est B-17. B-17 Flying Fortress, donc les bombardiers célèbres américains qui sont plutôt efficaces d'après ce qu'on m'a dit. Mais rien ne vaut les anglais au niveau bombardier. Bref, ensuite au niveau des allemands, donc là l'aviation, j'ai pas trop avancé, mais au niveau des chars, là il y a du changement par rapport à la dernière fois. La dernière fois qu'on avait fait une vidéo, on était à peu près au Hetzer, ici, au Panzer 4 F2, au Panzer 3M et à ce char-là. Donc on avait à peu près à la fin du rang 2. Vous voyez que j'ai quand même avancé, parce que maintenant ça va beaucoup moins vite, puisque les chars, il faut 50 000 d'XP pour les débloquer. Alors comment, il fallait 5 000. Donc, attendez, il y a un petit bug là ou quoi? Ok, j'ai un petit bug, normalement j'ai mis des camouflages dessus, enfin pas des camouflages mais des dessins, et là ils n'y sont plus. Ok, donc ce n'est pas grave. Bon, alors voici mon petit joujou, c'est le Jagdpanzer 4, qui suit le Hetzer qu'il y avait. Donc il est très sympathique, il a un bon canon, blindage plutôt correct de 60 mm incliné, donc on peut voir qu'on arrive jusqu'au 100, donc c'est intéressant. Ensuite, on a une nouvelle anti-aérienne que je viens tout juste de débloquer avec un canon de 37 mm qui fait des gros trous sur les avions. Le Panzer 4H, donc c'est le dernier Panzer 4 de toute la nation allemande. Vous voyez, il y en a quand même eu beaucoup, une grosse pelletée. Et on arrive ici. Alors, j'ai pas pris le dernier, tout dernier parce que c'est le même que celui que j'ai actuellement sans les plaques de blindage sur le côté. Ce qui fait qu'il est l'autre est légèrement plus rapide, mais je préfère garder un char full qui a les mêmes compétences que l'autre, mais en gardant les plaques. Ensuite, le Panzer 3M qui est toujours là, et oui, puisque le Panzer 3M, comme vous pouvez le voir, c'est un 3.3 et les autres sont des 4.7, donc je le joue plus, mais il est dans mon deck, puisque pour remplacer, il faudra le Tigre H1 qui est en 5.7. Donc là, on va faire un gros bond en avant technologique, on va passer du Panzer 3 au Tigre. Et enfin le Dicker Max. Donc là pareil, gros TD, gros canon, très peu de blindage, mais par contre vous déboîtez tout ce qui passe. Bref, on n'est pas là pour faire du char. Ensuite on va revenir aux avions. Les avions, les russes, on avance toujours petit à petit. Petit à petit, vous voyez, c'est pas du tout cette arme technologique là, mais on avance moins vite que les chars, puisque je joue plus les chars que les avions, mais en tout cas on progresse. Nous avons notre petit IL-2 qui est, je crois que vous l'aviez vu la dernière fois, en tout cas c'est un autre IL-2 mais nouvelle version. Lui vous l'aviez vu sûr, sauf que cette fois-ci il est full. Celui-ci est tout nouveau, donc un I-16 type 27 qui a un très bon armement puisqu'il a deux mitrailleuses de 7 et deux canons de 20. Et il est surtout très très maniable. Donc j'aurais hâte de l'essayer. Je pense que je vais faire... On va jouer les avions russes. Le Yak-7B. Très bon avion. Très bon canon. Et l'IL-4 bombardier. Donc ça, celui-là, vous l'aviez pas vu. Il n'est pas encore full.
Mais en tout cas, on commence à aller dans les gros bombardiers russes qui tiennent bien. On va lancer tout de suite une petite partie, histoire de se remettre dans le bain. Donc, écoutez, on va tester en vidéo l'ISA Steve 27, puisque je l'ai acheté juste avant de commencer à tourner cette vidéo. Et donc, on va voir ce qu'il vaut ensemble. Alors, on est sur la carte Green Ridge, donc je connais jamais les noms des maps, mais c'est écrit. Donc, c'est une nouvelle map. Donc, on va commencer avec l'ISA Steve 27. Apparemment, ça m'a l'air d'être une carte plutôt petite d'après le quadrillage. Donc, on va voir. Une vallée. Normalement, il va y avoir. Je pense. Oh, c'est joli par contre, les couleurs. Je pense qu'il va y avoir des cyclosols à détruire. C'est très très joli, les couleurs en orangé comme ça. On va mettre les fumigènes, voilà. Hop. Bon, en vert, on voit pas vraiment. C'est pas bien grave. Alors, voyons la map. Il y a trois points, trois zones. Ok, j'ai rien dit, la map est assez large quand même. Est-ce qu'on a des bombardiers à couvrir? Non. S'il y en a, mais ils vont surtout à gauche, le Junker 88 qui va. Bah écoutez, on va monter, on va chasser le bombardier. Ok, donc déjà, ça m'a l'air d'être intéressant. Manœuvrabilité plutôt correcte. Ah, ça me fait plaisir de reprendre une petite vidéo avec vous, les amis. Ça m'avait un peu manqué de jouer à War Thunder. En tout cas, en avion, parce que je joue en ce moment beaucoup les chars, mine de rien, ça prend du temps de grinder toutes les branches en même temps. Alors, revenons au jeu. Nous avons un Junker 88 qui descend. Je vais pas m'en occuper. J'aimerais bien me faire celui-ci. On va enlever les fumigènes parce que il faut être discret. Alors, au niveau des nouveautés dans War Thunder, ils sont en train de faire des. Enfin, en ce moment, il y a la bêta test pour les bateaux. Donc, je suis très, très, très pressé que les bateaux arrivent. Parce que c'est un truc que j'ai vraiment envie d'essayer de jouer des bateaux. Il y a World of Warships, mais dans War Thunder, avec les caractéristiques de War Thunder en mode réaliste, etc., franchement, ça donne envie. On va se faire le Junker 88 qui est là parce que l'autre il a plongé, j'ai pas envie de descendre. On a un P-47 avec nous. Est-ce que quelqu'un arrive dans le coin? Non. Oh, il s'est fait tuer. Bon, ils sont les méchants. Bon, allez, on va plonger, on va se les faire là. Faut pas déconner. On va faire le B18, on va faire un plongeon sur le B18. Oh, mitrailleur ennemi inconscient. Faire un deuxième passage. Critique, on a détruit le volet. Ok, on recharge. Alors là, franchement, ça fait plaisir parce que je vais découper. C'est quel B18? Ah, je crois que c'est le B18 de l'autre tiers. Ah bah oui, c'est un B18, après c'est B17. Donc j'ai rien dit. En fait, c'est un petit avion plutôt inoffensif que nous attaquons là. Il n'a pas beaucoup de mitrailleurs. On va le découper. Bon, par contre, pour recharger, c'est que ça de recharger. Là j'ai des canons. On va essayer de le rentrer dedans. J'aimerais bien l'abattre en fait. Parce que. Allez, allez. Petit pédis. C'est pas genre tu crashes. C'est pas vrai. Voilà, c'est bon. On va recharger, parce qu'il n'y a personne. Pour prendre l'altitude. Il est mort. Alors, voyons voir qui est-ce qui est pas loin. Le Junker 87. Il m'a l'air de vouloir faire du grabuge avec nos troupes au sol. Donc, nous allons nous en occuper. En plus, il n'y a personne pour s'en occuper. Donc, on va aider la team en faisant ça.
Ah, Dunker 87, va falloir faire attention parce que c'est déjà plus violent qu'un B18. Là, on va essayer de bien viser. Canon dans, deux, dans une seconde. Ah, il y a un fire qui va dessus. On est déjà parti dessus, donc on va sûrement pas. Voilà. Allez, parfait. On charge et on remonte. Sauveteur de navire. Parfait. Ensuite, suivant. Voir un D-17 qui est là-bas. Alors pour le moment, on s'attaque bien au bombardier. Non, on va pas s'attaquer au bombardier. On va plutôt se faire ce 853 parce que c'est un biplan premium. Si je vois bien, est-ce qu'il est blanc? Il est blanc. Non, il est pas blanc. On va quand même. Oh, bah, il est mort. Parfait. Il n'y a pas beaucoup d'adversaires. On court vraiment avec. On court vraiment après les adversaires. C'est. Elle est peut-être trop grande en fait cette carte. Oh, c'est pas possible. Allez. Où sont les adversaires? Il y a un chasseur au loin. Et un Junker 82. Mais on est censé avoir un chasseur plus près. Ah non, il est en haut. Okay. Bah écoutez, le Junker 87 m'a l'air de se proposer pour. Donner sa vie, je ne sais plus parler, donc allez, on va se le faire. Allez, il est mort. Bien joué. C'est marrant parce que avec les traçantes, en fait, on a tous les véhicules russes et américains qui tirent des traçantes rouges et anglais et allemand traçantes vertes. Du coup, ça fait un peu guerre des étoiles. Ouais, pardon, des délires. Hurricane. Effectivement, regarde. Non, parfait. Je voulais pas qu'il m'en regarde. Hein, parce que je veux pas faire un face à face. Allez, bon, bah là on a eu de la chance. Maintenant la pression. Donc, un petit pilote type. Ok, le Junker 88 qui me regarde, j'ai pas du tout envie de me faire un face à face contre lui. On va se taper déjà le P36 et Hawk parce que. Il est beaucoup plus dangereux, on va mettre les bouées. Ok, il n'y a pas de volée. Il n'y a pas de volée. Où est-ce qu'il est? Il tourne vraiment bien en fait finalement. Je pensais pas que. À mon avis, c'est parce que je suis pas amélioré à fond. Je pensais pas avoir autant de mal. Allez, on va lui faire un petit trick. On l'a eu. Bon, par contre, il y a des adversaires dans le coin, donc on va pas. On l'a bien eu, par contre, l'autre. Hein. C'est magique. Allez, on va faire le B110. Il en reste un dans le coin. Il est où? Il est là. Il me reste quelques munitions. Non, on va charger. Décollage.
Oh, il m'a découpé. Il m'a découpé. J'ai essayé de tourner. Il m'a empêché la visée, mais non. Bien joué au speed là. Il peut être fier, il a réussi à me découper. Normalement, j'avais l'avantage. Du coup, ça va être là. C'est déjà la fin. Allez-y, détruisez! Allez, détruisez tout! On va terminer. La partie elle est terminée. Je pense qu'on va en faire une deuxième. Pour pas que la vidéo soit trop longue ni trop courte. Hein. Accès B. Ceci est lié à Accès B. Pour armement, il a deux canons. Non, il a un canon et deux mitrailleuses. Et j'ai mis deux bombes de 50 dessus. Des petites bombes minuscules. On a un PPY Catalina qui souffre. D'après ce que je vois, en haute altitude, est-ce qu'il vient vers nous? Ouais, il vient vers nous. Bah écoutez, on va s'en occuper. Non, non, pas non. Allez, c'est dans le travail. Et non, dommage. Dommage, dommage. Septième, bon, c'est plutôt correct. Bon, pour la deuxième partie, on va faire un petit peu de lotière en américain. Comme ça, ouais, le B-18, c'est celui-ci que j'ai abattu. Je pensais que c'était un plus gros, et en fait, non. 2.0, on l'explosait largement. On avait bien de quoi lui faire très, très mal. Alors, alpage. Donc, cette fois-ci, on va jouer... Eh ben écoutez, déjà, on va mettre... Des missions traceurs, là je peux pas. On va mettre défaut alors si je peux pas, parce que cible blindée, c'est pas vraiment le cas des chasseurs qui nous suivent. Donc on a une bombe de 1000 livres et une deux bombes de 100. Donc, SDB3, chasseur, bombardier aéronaval. Non, c'est pas un chasseur aéronaval, c'est un bombardier aéronaval en piqué. Donc nous avons des cibles à détruire, mais pas d'objectif. Oui. Ouais. Je sais pas. On peut tenter la droite pour cette zone là. Je vais sûrement pas chasser des autres adversaires, étant donné que ce n'est point mon rôle là. Oui, donc nous allons. Allez, on va aller ici. On a personne qui vient nous chercher. Non, ils s'en foutent, parfait. Du coup, normalement, dans le détroit qui est ici, voilà. On a trouvé les cibles. C'est un Catalina, ça. Ok, bah après, on se fait le Catalina. Oh 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 oh. Un petit peu, on part. De toute façon, on charge. C'est pas un chasseur. Et je lui ai tué son mitrailleur arrière. Comme ça, ça aidera mes potes. Et il me vient chute. L'ennemi a pris l'initiative. Il me vient chute. C'est ce que je pensais. Alors, on va tenter le jeu un peu plus. Ouais, voilà, c'est ça. Juste que je m'approche. Donc, on va tenter le deuxième. Voilà. On redresse. Ok. Bah écoutez, on va se détruire ce qu'on voit. Si j'ai un interpellé à moi, qui m'a tué mon mitrailleur. Il est où? Il est là. C'est un VF-109. Anti-rain. Mais aide-moi tes BD3 là, tes BD1. Je vais me mettre avec lui comme ça. Somebody cover me. Qu'est-ce qu'il fout tes BD? Oh, c'est pas possible. Oh, il est mort. Bon, écoutez, là, notre avion. Bah, les bombes viennent d'arriver, parfait.
Voilà. On va toucher le sol. Et on vole encore. Hé hé. On vole encore, c'est abusé. Je sais pas comment on fait pour voler. C'est la ingénierie américaine. Bon, par contre, on va essayer d'atterrir. On va pas atterrir. On va essayer de faire sortir. Allez, allez. Ah bah non, il a détruit l'élévation. Là, je peux rien faire. Là. Ok. Bien joué au BF-109. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre du coup cette fois-ci? On va prendre un petit chasseur que j'apprécie tout particulièrement. C'est le F2A1 qui est très très maniable. Vous allez voir en dogfight. Il faut qu'on trouve un dogfight. Et là, ensuite, on pourra s'exprimer comme on souhaite. C'est un petit monstre de rang 1.7, mais vous pouvez largement tuer d'autres plus gros, étant donné que vous tournez tellement bien que personne ne peut être derrière. Donc là, il y a le petit accepte qui va se faire le Mi 3. On va l'en empêcher. On va activer le fumigène. Et on dit à l'attaque. Ok, il y a 7. Ok, bah. Là, il va repérer. Ah, il a du mal à tourner. Allez. Okay. Ah, c'est quoi ça? F110 T4. Faut alors là, mon gars, tu t'as rêvé. Il y a ça, son mitrailleur arrière. Allez. Ah purée. Allez. Bah écoutez. Nous avons pris l'initiative. Petit, rapide, mais fragile, malheureusement. Ah, ça se passe aussi comme ça des fois, hein. On peut pas faire des kills. Attends, bah du coup on a quand même un bon chasseur. Donc ce chasseur, c'est le P40. C'est un avion de dogfight américain, mais du dogfight en basse altitude. Il a beaucoup de mal en basse altitude. Je ne t'arrive plus à trouver. Là, si vous voyez pas les munitions trafantes, c'est parce que c'était pas le chantier. Tout simplement. SU2. Tiens. Nous sommes en train de perdre. Allez, hop, dégage. BF-110. Ok, BF-110, je crois que c'est celui qui m'a tué. Ouais, c'est ça. Mais il y a déjà quelqu'un dessus. Le Hurricane. Il va me faire passer face ou quoi? Ah non, c'est pas sur moi. Allez, bien sûr, juste très mal. Allez, il shoot. Blenheim, c'est mort. La croix. J'en ai déjà à 1200 mètres d'altitude, il a déjà du mal à se mouvoir. Par contre, il est rapide. C'est un chasseur plutôt rapide. Chasseur plutôt rapide, mais par contre, il a du mal et qui monte un peu en altitude. Par l'entier. Le problème c'est que les Blenheim c'est anglais et les anglais ils ont des tourelles. Du coup bah c'est un peu impossible d'aller dans un angle mort. C'est abusé. Voilà. C'est ça, le problème des anglais c'est que bah ils ont des trop bonnes DCA. Parce que ils sont bien placés, ils ont bien réfléchi avant de faire les avions. Bon bah écoutez,
C'était quand même une game plutôt sympathique. On n'a pas fait grand chose. On a fait un kill et 3 assists. On a détruit des trucs au sol aussi. Voilà, on a détruit 4. Bien joué au mec qui en a détruit 15. Et il a fait l'objectif totalement. Voilà ce petit P18. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on se retrouve là une prochaine fois, je pense, pour faire quelques petites parties en char pour voir ce que ça donne. Et bah écoutez, à la prochaine.